Depuis l'arrivée des premiers Européens sur le territoire, les relations avec les Premières Nations se sont beaucoup transformées. D'abord considérés comme des alliés pour le commerce, l'exploration du territoire et la conquête, la loi sur les Indiens de 1876 a réduit leur statut à celui des mineurs. Cette loi paternaliste, toujours effective aujourd'hui, avait comme objectif l'assimilation. Plus récemment, la crise d'Oka en 1990 a révélé un énorme fossé entre la société québécoise et les communautés Mohawk, conséquence d'une grande méconnaissance entre ces deux peuples. Plus de 20 ans plus tard, qu'en est-il de la relation entre les jeunes de Châteauguay et ceux de Kanawaki? On est tous allés une fois, sûrement pour aller à Montréal, passer par le Pont-Mercier. Puis bien, quand tu rentres dedans, c'est vraiment différent. Il y a comme Châteauguay, puis là, c'est bien, mais tu le sais quand tu rentres dans la réserve, ça se voit. Puis même quelqu'un qui serait jamais allé là-bas, il l'aurait su, c'est vraiment différent. Puis moi, quand je suis allé à Kanawaki, tu voyais qu'ils affichaient plus leur communauté avec des drapeaux, des sculptures de leur communauté. Il y a plein d'affaires différentes, tu sais, comme une station de gaz, c'est un loup, le symbole, puis tu sais, comme les loups, ça a quelque chose de spirituel. Aussi, je suis déjà allée dans un powwow, ça, c'est comme une fête de leur culture. Ils font des danses, des costumes, tout ça. Donc oui, je suis déjà allée. Au powwow, je pense qu'ils étaient contents de voir que les gens de d'autres communautés que eux s'intéressaient à ce qu'ils faisaient. Il y a une partie de ma famille qui habite là. Comme les fêtes, comme l'action de grâce, on se rejoint beaucoup là-bas, puis on célèbre ça. Ouais, des trucs de même, ou Noël des fois, là. Ouais, ben moi, j'étais allé au skatepark à Kanawaki. Ben, ils m'ont dit de m'en aller, là. Pourquoi? Parce que je devrais aller au skatepark qu'on a, nous autres, à Châteauguay, là. Ils voulaient pas que j'utilise leur skatepark, c'était comme à eux, puis je pouvais pas vraiment y aller. Tu sais, c'est comme deux secteurs, là. Il y a Châteauguay, puis tu sais, c'est la réserve à côté, mais c'est à côté, puis on se mélange pas trop. On n'a jamais appris à se mélanger. Les activités, c'est tout le temps séparé. J'ai joué au hockey, là, puis mettons, quand on gagnait une game contre eux, il y a eu des batailles. D'après moi, les tensions qui existent entre les habitants de Châteauguay et les habitants de Kanawaki, ça remonte à quand ils ont bloqué le pont, puis l'affaire d'Oka. Mm. Puis avec ça, nos parents, ils ont appris à un peu être fâchés contre eux. Puis cette amertume-là, elle n'a pas disparu. Moi, je pense que ça peut remonter à plus longtemps, en fait, parce que, tu sais, qu'est-ce qui a déclenché la crise d'Oka? C'est tout ce qu'il y a eu avant, dans le fond. Fait que, tu sais, quand on est arrivé, là, on les a... Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des conflits dans toute l'histoire du Québec, dans toute cette histoire-là de colonisation. C'est sûr qu'il y a eu des tensions, puis ça, c'est comme... On les a comme tassés. Souvent, quand il y a deux gangs comme ça, c'est pas qu'il y en a une qui va pas accepter l'autre, c'est plus les deux, on reste dans notre coin, on va pas voir les autres. Les autres aussi, en fin de compte, on est comme une petite réserve, en fin de compte. Parce qu'on est comme français, puis avec une majorité anglaise, c'est en entour de nous. Au skatepark, c'est comme les Anglais sont vraiment séparés des Français, genre. C'est sûr que la langue, c'est une barrière, c'est sûr que ça fonctionne pas. Si t'es totalement français ou t'es totalement anglais, tu peux pas communiquer. Ce dont je suis le plus fier du Québec, c'est le fait qu'on réussisse quand même à intégrer plusieurs communautés différentes, telles que les pays qui migrent ici. On a réussi à changer plusieurs lois, changer nos coutumes, apprendre à construire pas juste des églises, mais aussi des mosquées. Moi, personnellement, il n'y a pas quelque chose que je suis particulièrement fière. Si on parle d'autre chose que la langue, là, mettons on enlève la langue de ça, on est pareil, on écoute la même musique, on mange les mêmes choses. T'sais, on est vraiment là, américanisé. Ouais, mais tu peux pas ôter la langue. C'est la base d'une culture. C'est sûr, là. Mettons, tu chantes en autochtone ou en français, ça va être plus dur de percer ou de passer à la radio ou d'aller à grande échelle. Mais eux, ils restent avec ça. Là. Ils veulent le faire dans leur langue parce qu'ils sont fiers de ça. Eux, je pense qu'ils ont vraiment une différence à célébrer. T'sais, toute leur culture, leur langue, leurs croyances. Tout ça, ça les différencie vraiment, puis je pense que ça les unit plus là-dedans. Les croyances, il me semble, c'est comme quelque chose de gros, genre, dans leur culture. C'est ça qui les différencie beaucoup aussi de nous. T'sais, ils ont comme des croyances plus profondes, puis il y a plein de symboles qui les représentent, puis ils sont comme fiers de le montrer. C'est leur langue, c'est leur culture, c'est dans ce dans quoi ils ont vécu, ils ont été élevés, ça les représente, c'est eux. Le seul sentiment que j'ai d'appartenance pour Châteauguay, c'est peut-être au basket. Pas ton équipe. Parce que c'est mon équipe à moi, puis je veux la défendre. Dans mon équipe de basket, il y a un gars qui est à moitié moi, puis on partage la même passion, c'est le basket. Puis comme avec les,
Avec les Autochtones, on partage toute la passion pour le sport, d'après moi.